Bonjour Tizette, bienvenue sur ma chaîne, la Ch'ti du Diamond Painting. Voilà un unboxing. J'ai été sollicité par Gudfell. On m'a demandé si on voulait bien faire une collaboration ensemble, que je présente leur toile. Alors j'ai accepté. Ils m'ont choisi 4 toiles. Je n'ai pas de partenariat, quoi dire, je ne touche rien de leur part et vous n'avez pas de code promo. C'est pour ça que c'est un je viens de vous le dire, une collaboration avec eux. Voilà, je vais vous les présenter. C'est pas ouvert, hein. je ne l'ai pas ouvert. J'ai été voir ce matin sur comment y trouver, comment dire, savoir le suivi de mes colis. Et il était marqué comme quoi ce colis a été déposé dans ma boîte aux lettres samedi. Mais samedi matin, après quand j'étais au courrier, il n'y avait rien vers midi. Et puis ce matin, j'y suis allé. Et puis j'ai trouvé ce paquet de chez Gudfell. Voilà. Alors, on va ouvrir ensemble. En plus, ils m'ont contacté pour savoir ce que je pensais d'une toile. Et je leur ai répondu que je n'avais toujours pas reçu. C'était jeudi, je crois, qu'ils m'ont contacté. Et je leur ai dit que je n'avais toujours pas reçu. Mais tant que je l'ai, on va voir tout ça ensemble. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Parce que chaque fois, je suis toujours à chercher. À chercher je sais pas quoi au loin, vous voyez pas, ou auprès. Hop, voilà. Alors nous avons 4 toiles par une grande, une petite, une autre petite, on va dire, par rapport à la première, une moyenne, on va dire, et une autre moyenne. Voilà, là. Alors, on va commencer par celle-ci. Je vais toujours. Hop. On va voir. C'est quelle. Dit cette petite toile-là. Moi, je sais. Hein. Alors. Ah oui. Alors, vous avez tout le kit, hein, le stylet, les petits sachets, le pain de colle et la barquette. Voilà, je ne vous présente plus parce que, à force, on connaît. Bon, j'ai eu le droit à un élastique. Bon. Ici, c'est des diamants spéciaux. Je vous ferai voir après. Alors, voilà. C'est un petit arbre. Alors, voilà. Alors, c'est tout à diamanter l'arbre. Il y a juste l'arbre à faire. Il y a des papillons autour qui ne sont pas à faire. Et c'est une 30-30, mais il compte 30-30, c'est toute la toile, c'est pas juste le dessin, c'est juste la toile. Voilà. Bon, ben, je vais ouvrir à ma chatte et je reviens. Alors, j'ai profité pour aller chercher mon réglé pour vous faire voir. Alors, ici, elle fait 30, vous voyez, c'est d'un bout à un autre sur 31,5, ouais. Mais bon, alors la toile, exactement, parce qu'il y a des tirés, je ne sais pas si vous allez voir sur le rebord, oui, il y a des tirés, pour qu'on puisse la découper sûrement, et elle fait exactement 24 sur 24, voilà, alors ici, hein, il est vraiment joli, c'est ce petit arbre, il va être agréable à faire. Après, les diamants. Alors ici, c'est des diamants spéciaux. Et nous avons 12 couleurs. Alors, je commence par le 1. Vous voyez, c'est quand même des diamants assez gros. Voilà, il y a du rose, là c'est du orange. Vous avez du rose plus foncé. Là, c'est du bleu clair, pour dire du violet. Du rouge.
du vert, du bleu. Ah, oui, pas, il fait pas le focus. Le bleu, du foncé, du violet et du orangé jaune, on va dire. Voilà. Il y a 12 couleurs. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, la suivante. Alors ici, je vais la mettre là avec l'autre. Alors ici, c'est une toile. Ah, oh oui, c'est des assurances spéciaux, c'est les. Alors, ici, nous avons le kit tool. Là, vous avez juste le pain de colle, le stylet et la marquette. Nous n'avons pas de petit sachet. Ici, c'est Mini et Mickey. Alors, je vous approche pour vous faire voir. Voilà. Et c'est des diamants ronds. Voilà. Alors, il y a 23 couleurs. La toile, je n'ai pas regardé sur l'autre si elle collait bien. Oui, elle colle très très bien. Et c'est des papiers transparents. Il ne risquerait pas d'avoir de rivière parce que c'est de la colle en spray qu'ils nous mettent et ils mettent le film plastique. Les toiles sont très épaisses. Non, mais nickel. Les diamants, je ne vais pas ouvrir parce que ça. Voilà, non, c'est très très bien. Bon, du blanc, hein, j'en ai deux gros sachets. Il y a du rose. Hein, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très belles les couleurs. Du rose, du violet, du marron. Voilà. Et j'ai été voir sur leur site, ils ont des belles toiles, ils ont des beaux, comment on appelle ça, des articles et tout, pour lire en roman. Je vous mettrai le lien en description de leur boutique, pour celui ou celle qui veulent faire un tour sur leur... Ils sont assez raisonnables en prix. Et là, c'est vrai que là, pour un premier partenariat, ils sont très généreux. Ils m'ont envoyé 4 toiles. Ah, c'est collé. Hop. Là. Alors ici, un peu bombé, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Comme c'est, comme je vous disais, c'est du papier plastique, c'est de la colle en spray. Il ne risquerait pas d'avoir de rivière. Alors ici, le toolkit, hein, stylet, barquette, pas de colle. Ici. Alors voilà, c'est des papillons et je les ai trouvés magnifiques quand ils m'ont envoyé des photos, mais vraiment, vraiment magnifiques. C'est une toile complète, comme Mickey, hein, c'est une toile complète. Il y a 25 couleurs. Là, pour bien aplatir, hein, de toute façon, après, et puis la toile toujours aussi bien épaisse. Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Alors, ici, les diamants, pareil, hein, c'est des diamants ronds. Alors ici, vous voyez, c'est du violet, du bleu, du orange, du rose, il y a beaucoup de rose, du jaune. Vous voyez, du violet, beaucoup de violet rose, hein. Vous voyez. Et là, après, nous avons, on aurait passé plus de temps par rapport à celles qui m'ont demandé de ce que j'en pensais. Alors ici, la voici. Et j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, hein, c'était une 30 sur 30. Hein, vous savez que c'est la toile complète, c'est pas le dessin qui fait 30 sur 30. Et l'autre, c'est une, excusez-moi, j'ai oublié de le dire ici, une 30 sur 30. C'est pareil, hein, c'est la toile complète d'un bout à un autre. C'est juste le dessin qui n'est pas sur 30 sur 30. Alors. Donc, je vais faire plutôt ici, là. Ça sera bien. Ouais. Voilà. Alors, je la sors. Elle est très grande, celle-ci. Hein. Voilà. Alors, un peu. Bon, ça, on peut s'en arranger. Alors là, ici, c'est une 45 sur 50. Et j'ai adoré
cette poupée. Oui, c'est un style de poupée. Moi, j'ai adoré. Alors voilà, comme d'habitude, hein, plein de colle, stylet, marquette. Et là, ils m'ont mis plusieurs sachets zippés. Alors, ici. C'est bien la peinture. C'est bien voir. Hein. Il y a 17 couleurs. Hein. Voilà. Non, franchement, waouh. Elle est magnifique. Moi, j'adore. Moi, j'adore ce style. Belle petite poupée avec sa petite robe rouge-violette. On a des belles couleurs. Hein. Vous voyez, on est vraiment sur une toile assez épaisse. Très, très bien. Les symboles, est-ce que là, ça colle bien? Oh, oui. Même très, très bien. Les symboles, on les voit très bien. Alors, je vais vous faire voir de plus près. Attention, mal de mer, pour celui qui a le mal de mer. Alors, les symboles, vous voyez, on les voit très, très bien. Alors, je vais tester quelques diamants avec vous, pour que vous puissiez voir la qualité des diamants. Je voulais vous faire voir celle-ci en dernier. Oula, vous avez failli tomber. Mais bon, je vous ai rattrapé à temps. Alors, je vais vous faire voir d'abord les diamants. Là, et ici, excusez-moi pour le bruit, bouchez-vous les oreilles. Alors, il y a des belles couleurs. Hein. Alors, ici, vous voyez. Il y a des belles, belles couleurs. Là, c'est du... Non, du moins, vous voyez. Est-ce qu'il y a les DMC? Oui, il y a les DMC sur la toile, mais pas sur les sachets. C'est ce qui compte. Et sur les autres, je n'ai pas regardé aussi. Oui, ils ont tous la DMC. Oui, comme ça, si je veux les ranger, eh ben, j'ai la DMC sur la toile. Voilà, du rouge. Du rouge plus foncé. Du rose, c'est vrai que là ils ont des belles belles couleurs. Là, elles brillent, hein, les perles. Marron, bordeaux, encore un rouge plus concentré, un beige crème, encore du rose plus pâle. Si j'ai remis des côtés, vous avez peut-être vu un petit peu mieux quand même. Hein. C'est moi, tout craché. Mais bon, vous les avez vus quand même à travers les numéros. Alors là, j'ai trois sachets de numéro 13 et c'est quatre sachets. Vous voyez, j'ai de quoi faire. Hein. Ici, nous avons celui-ci et celui-ci. Voilà. Alors, je vais vous mettre en grand plan sur mes mains pour que vous puissiez voir les diamants. Je vais ouvrir. Je vais faire les trois. Oui, pardon, il y en a beaucoup. Les deux, c'est les noirs. On va faire du noir quand même. Je vais essayer de trouver un petit sachet, les 7. Alors, le 7, c'est numéro 7. Hein. De toute façon, après, on passe au 8, c'est le 8. Et le 9, on passe au A. Je vais faire les 7. Est-ce qu'il y en a? Non. Le 9, c'est pour sachet. Le 15, c'est le N. Est-ce que j'ai du N? Non, je voudrais vous mettre ici à peu près, que vous puissiez bien voir. Le 14, c'est les K. Ah ben voilà, je vais pas... Après, bon ben... Je vais essayer de trouver un petit sachet que je puisse ouvrir pour ne pas en faire tomber partout. Je vais... Oui, le 7, mais j'en mets pas là-dessus. Ah, c'est dommage. Hein. Bon, ben, on va ouvrir ben, le 1. On va faire les 1 ici. Quoi, ici, là, les 1. Je vais ouvrir. Hein. J'ai deux sachets. Et après, je mettrai directement dans la valisette qui va être pour celle-ci. Alors, et moi, j'adore. Elle est trop, trop belle.
Je vous mettrai en barre de description toutes les toiles qu'ils m'ont envoyées. Si vous voulez aller les commander, vous pouvez. Comme je vous disais, moi, je ne gagne rien dessus. Et je n'ai pas de code promo à vous proposer. Alors, je remets un tout petit peu. Je vais la mettre ici parce que là, il ne faut pas que ça tombe. Et je vous mets en grand plan. Hop, je vais reculer pour que vous puissiez et vous basculer. Vous puissiez voir. Là. Hop. Ici, on a les 1 qui sont là. Ici. Je vais faire ce petit coin. Alors. Et après, je vous ferai voir comment je vais faire pour ce plastique. Pour pas être embêté. Après, si vous avez une autre idée, il n'y a pas de souci. Alors, ici, je vais faire là. Par contre, il n'y a pas les ronds autour pour qu'on puisse placer nos perles. À nous d'être droits. À essayer. Il y a longtemps que j'ai pas fait mon premier rond. Ça a été mon premier German Painting. Il est accroché dans ma cuisine. Est-ce que c'est une cuisine? On va essayer d'être droit parce que là, ça va pas être. Non, les perles sont nickel. Ils sont bien taillés. Je n'ai rien à dire. Là, je vois que c'est du top. Non, elle est vraiment magnifique. Moi, j'adore tout ce genre de petites poupées. Vraiment, la toile très épaisse en plus. Rien de tel. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Oui, ça va. Voilà, je vais jusqu'au bout. Là. Et voilà. Il y en a un qui m'embête là. Hop là. Bon. Bah voilà, comme ça vous avez vu. Alors, je vous approche pour vous faire voir. Oh là, si je mets mes doigts devant, ça va peut-être pas le faire. Je vais faire sur focus ou pas. Où est-ce qu'elle est ma toile? Excellent. Bon, là vous êtes sur ma nappe. Ah, voilà. Vous voyez? Non, non, ils sont vraiment, vraiment bien taillés, bien. Bah sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous fais de gros, gros bisous. À bientôt.